pour avoir participé au petit sondage sur le pouce en l'air. Donc maintenant, eh bien, je vais vous demander systématiquement quelque chose que je ne faisais jamais. Donc s'il vous plaît, eh bien, soyez gentils et mettez-moi un petit pouce vers le haut parce que nous, les cartomanciens voyants, on est très malmenés par You-You. Parce que je crois qu'on a tendance à révéler des petites choses qui les dérangent. Donc voilà, merci d'avance. Alors, eh bien écoutez, on va faire d'abord la revue du mois de mai. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à vous préparer cela. Donc, ce serait super sympa si vous regardiez. Déjà, ça vous montrerait que j'ai pas dit que des, on va dire des bêtises pour rester poli. Il y a des choses que j'ai vraiment trouvées. Donc, je remercie le Saint-Esprit. Et on y va tout de suite. Je vous ai préparé un petit montage en espérant que je m'en sorte au niveau de la technique. Allez, on va reprendre. Vous êtes prêts? On y va. Allez, on commence par le premier extrait. Alors, j'avais parlé d'une ministre au mois de mai, hein, qui ne dirait pas ce qu'il fallait. Qui devrait subir des violences ou qui avait parlé de violence, enfin, les histoires de violence, qui allait mal s'exprimer et qui aurait des problèmes avec la justice. La violence dont il s'agit, c'était pas une violence physique, mais vous allez voir que c'est, en fait, à prendre au niveau verbal, puisque la carte ne montrait pas qu'il s'agissait éventuellement de violence physique. Je pense que vraiment, il s'agissait de violence verbale. Alors, on va écouter tout de suite ce que j'avais dit à ce sujet. Et après, eh bien, on va regarder ce qui s'est passé au mois de mai. Il y a quelque chose. J'essaierai de voir. Attendez, j'essaie de voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a une ministre qui va mal s'exprimer. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a une qui va gaffer. C'est vraiment une, hein, qui va gaffer par rapport à des histoires de violence, qui va dire ce qu'il faut pas. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. On va l'accuser d'avoir une mauvaise influence. Ouais, regardez, j'ai jugement. Oh là là, ouais. Donc là, il y a une femme ministre qui, ouais, qui va être, à mon avis, remise, comment dire, rappelée à l'ordre plutôt, voilà. Qui va être rappelée à l'ordre par rapport à ce qu'elle va dire concernant la violence. Ou alors, elle va subir de la violence. Hein, on ne peut pas l'exclure. Alors, on va analyser un peu ce que j'ai dit. En fait, il s'agissait de Mario Maréchal. Alors, en fait, c'est arrivé que je vous retrouve l'article le 28 mai. Voilà, je vous montre le 28 mai 2024 ici. Ce qui s'est passé, eh bien, elle a dit ce qu'il ne fallait pas. Donc ça, c'était juste. Par rapport, alors, à un homme qui a reçu à Cannes le prix d'interprétation féminine. Hein, c'est l'histoire de trans, voilà. Donc vous découvrez l'article. Alors pour ceux qui m'écoutent en podcast, eh bien Marion Maréchal a critiqué le fait que c'est un trans, donc un trans, alors je ne sais jamais dans quel sens, moi, un homme qui est devenu une femme, qui a reçu le prix d'interprétation féminine. Et évidemment Marion, eh bien a dit que c'était un homme et les foudres lui sont tombées dessus. Et voyez, six associations portent plainte contre Marion Maréchal pour injure transphobe. Alors, c'était pas de la violence qu'elle avait faite, mais voyez, ça a été une agression verbale. Donc c'était quand même compliqué à trouver. Eh bien, et par contre, oui, elle va être poursuivie en justice puisqu'il y a plainte. Et c'est pas une ministre, mais bon, là, c'est une femme politique, j'avoue. C'est une femme politique, voilà. Bon, donc premier petit extrait, on va passer tout de suite au second. Alors, dans le second extrait que vous allez entendre, je parlais d'un homme qui avait la trouille et j'avais pensé à Bruno. J'avais dit qu'il allait avoir la trouille parce que on allait s'apercevoir qu'il avait fait des grosses conneries. Alors là, je vais dire le mot, c'est français, notamment au niveau d'un manque financier. Et voilà ce que j'ai trouvé. Ou plutôt, je voulais d'abord écouter l'extrait. Je pense que c'est lui, hein. Résistance, ouais. Résistance. Oui, donc il va être très critiqué, à mon avis, par rapport à des grosses. Vous avez compris qu'il a fait. Et il commence à avoir la trouille. Est-ce que c'est bien Bruno? Alors, ça, c'est quoi? Restriction, privation, manque. Ben oui, c'est ça, regardez. Voilà, restriction. Alors, pénurie, oui, mais aussi restriction, manque d'argent. C'est ça que je vois, moi. Bon, bah, c'est lui, hein. Donc, il va demander conseil parce qu'il va être de plus en plus critiqué et il va vraiment avoir de plus en plus la trouille parce que là, ils ont dilapidé tout l'argent. Alors voilà ce que je vous ai trouvé. Eh ben c'était bien lui. Voilà. Donc Monsieur Bruno Lumière, voyez. Et ça c'était. Attendez, je sais pas si on voit la date.
Oui, c'était en fait hier, le 30 mai, vous voyez. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours faire les prévisions, ou plutôt la revue des prévisions, vraiment, vraiment, tout à la fin du mois, parce qu'à la fin du mois, il peut y avoir encore des événements hein, qui correspondent aux prévisions. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Bruno? Jamais je n'accepterai qu'on m'accuse de dissimulation dans mes fonctions de ministre des Finances, se défend Bruno. Voilà, bah, ce que je vous disais, hein, il est critiqué parce que il s'est trompé. Il a reconnu une erreur dans l'évaluation des recettes fiscales. Nanana. Il rejette en bloc les accusations d'irresponsabilité. Ouais, non, mais le type qui sait pas les mètres carrés, les hectares, voilà, les degrés, les minutes, ou j'en sais rien. Enfin bref, le type qui sait pas calculer, quoi. Qui nous a bien fichu dedans. Dérapage du déficit public à 5,5 du PIB. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Alors je préfère vous dire que la dette ne sera jamais remboursée. Hein. Ben non. Oh ben écoutez, hein, faut être un peu logique quand même. Voilà. Donc il est bien critiqué et c'est bien par rapport à sa catastrophique, pardon, dans l'autre sens, sa gestion catastrophique des finances. On va continuer. Alors après, je parlais d'un truc par rapport aux petites, la petite piquette. J'avais évoqué les crimes contre l'humanité qui seraient dissimulés, notamment par rapport à une certaine catégorie de population. Et on écoute. Bon, ben d'accord. Donc on a bien la sursang. La sursang, vous voyez, d'ailleurs c'était sorti ici, vous voyez, avec la dissimulation. Donc ces deux cartes qui disent la même chose. Et qu'est-ce que les dirigeants mondiaux ou dirigeants des nations dissimulent? Eh bien, les crimes contre l'humanité par rapport à des personnes âgées et élévation, ça veut dire que hausse, vous voyez, progression. Donc de plus en plus de personnes âgées qui vont disparaître. Bon. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont retiré la piquette de Astra, voilà, on va pas dire trop le nom, qui retire son du marché parce qu'il est dangereux, comme l'affirment les antivax, évidemment, sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est la faute des antivax. Bon, ben nous, on sait ce qu'il en est, hein. En fait, ils l'ont bien retiré du marché. Alors, ce que je vous ai dit dans la vidéo, évidemment, ça n'a pas été reconnu, hein, mais je pense que c'est une hypothèse qui est plausible. C'est-à-dire à savoir qu'il y a une augmentation de décès dans la population. Je ne pense pas me tromper en parlant de surtout des personnes âgées, mais en fait, pas que. Mais moi, j'avais sorti les personnes âgées, voilà. Donc, ils l'ont bien retiré, et ça a été, vous voyez, le 10 mai, donc ça a été début mai, hein, annoncé le 8 mai, qu'il retirait de la vente sa piquette contre le coco, etc. Bon. Et je ne pense pas me tromper en disant que c'est parce que vraiment, il y a des gens qui partent de l'autre côté. Voilà, on va continuer. Alors après, j'avoue que là, c'était pas trop mal parce que j'avais parlé de mouvements, de gens qui voudraient la destitution d'un ministre ou de notre cher président. J'avais écarté la carte des dom-toms. Mais j'avais parlé aussi de répression et de force de l'ordre. Alors, bah, vous savez ce qu'il en est, hein, mais on va écouter. Ici, on a mouvement et destitution. Ah, alors là, il va y avoir des gens. Ah, ça, c'était quand même intéressant. Des mouvements de personnes qui vont vouloir, en France, eh bien, agir pour la destitution de qui vous savez. Bon, donc des petites choses intéressantes, hein. Voyez, force de l'ordre. Bon, bah, ça va être encore réprimé, hein. D'accord? Et encore une dernière carte. Alors là, j'ai les dom-toms. Hein. Je n'ai pas envie de la prendre. J'ai plutôt envie de prendre celle-ci, moi, vous voyez. Un ministre. Bon, d'accord. Alors, ministre ou qui vous savez, hein. En tout cas, les gens qui vont manifester pour la destitution, alors, soit d'un ministre, soit du chef. Voilà. Bon, ok. Alors en fait, c'est amusant parce que la Nouvelle-Calédonie ne fait pas partie des dom-toms, ce que je ne savais pas, mais je suppose que mon inconscient, lui, le savait. C'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre la carte. C'était pas loin, parce que la Nouvelle-Calédonie, même si c'est pas les dom-toms, je sais plus comment est-ce que c'est dénommé, mais c'est aussi quelque chose par rapport à l'outre-mer, voyez. Je sais plus, communauté d'outre-mer ou un truc comme ça. Bon, la distinction est vraiment infime. Bon, bah écoutez, oui. Voilà, donc grosse critique envers eh bien Darmanin. Donc c'était bien un ministre, mais je pense que je ne serais pas étonnée que les Kanaks aient demandé aussi la destitution de qui vous savez. N'empêche que c'était plus par rapport à Darmanin.
Voilà, ça c'est sorti le 16 mai, enfin bref, la Nouvelle-Calédonie, effectivement. C'était bien en mai. Alors, je vous lis quand même. Au-delà de la revendication de retrait du texte, les indépendantistes rejettent résolument le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Le FLNKS n'a plus confiance en Gérard Darmanin, donc oui. Alors, sans vouloir sa destitution, en tout cas, ils ne voulaient plus en entendre parler, ils ne veulent plus en entendre parler. Bon, je veux dire que franchement, c'est pas trop mal sorti parce que oui, ils ont bien envoyé les forces de l'ordre là-bas, puisque vous savez qu'il y a eu beaucoup d'émeutes. Donc oui. Donc là, je dirais que bonne note pour Madi à ce niveau-là. Alors après, bon, je vais pas vous faire écouter l'extrait, il suffit de regarder les cartes, hein. J'avais la carte des scandales sexuels. Enfin des scandales, pardon, avec la carte de la sexualité, de la luxure. Je regarde ce qu'il y avait marqué d'autre. J'arrive même plus à lire. Enfin bref, c'est les scandales sexuels en France. Bon, alors on en a eu un, effectivement. C'est celui-là de Judith Godrèche. Vous avez peut-être entendu parler. Donc vous voyez l'article Violence sexuelle dans le cinéma après l'appel de Judith Godrèche. L'Assemblée nationale vote la création d'une commission d'enquête. Alors cette actrice, effectivement, a critiqué deux réalisateurs que j'ai plus. Je me rappelle plus. Ah si, voilà. Benoît Jacquot et Jacques Doyon, pardon. Voilà. Donc elle a porté plainte pour viol et agression sexuelle contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Bon, c'était à l'époque où elle était encore jeune ado. Donc oui, effectivement, ça a fait parler de lui, ce scandale. Et c'était bien, vous voyez, le 2 mai. Donc ça, c'était en début du mois. Alors ensuite, j'ai évoqué quelque chose qui était quand même assez étonnant. Parce que j'ai tiré la carte des énergies, pardon, des armes à énergie dirigées, ce qu'on appelle aussi les lasers. Et écoutez bien, il y a un truc vraiment intéressant. Et là, franchement, j'ai saisi l'information au vol. Alors là, on a des reptiliens qui apparemment ne seraient pas d'accord. Il y a des questions de rivalité entre eux. Mais ça, à mon avis, on n'aura pas l'info, hein. Ça, c'est purement hypothétique ce que je vous dis, hein. Par rapport à des questions d'argent, des questions de manipulation. Et je pense que l'arme des lasers pourrait être utilisée par ces gens-là pour continuer à manipuler les pantins, notamment les pantins. Au niveau des gouves, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose dans l'ombre là, vous voyez. Et victoire. Oui, donc pour l'instant, ils ont quand même la victoire. Alors oui, j'ai rajouté le mot victoire, célébration, pourquoi? Ben, je suis tombée sur deux choses très intéressantes. Alors attendez, je vais vous reprendre le texte. Voilà. Donc c'était pas tout à fait la France, mais regardez bien. Le 7 mai 2024, le ministre de l'Intérieur malaisien s'intéresse au laser GEIM. Et écoutez bien, ce sont les entreprises françaises qui ont montré leur laser, alors non létaux, c'est marqué ici. Laser non létaux, alors tel que le LDI, LEI, moi j'y connais rien, au ministre de l'Intérieur malaisien. Ça, c'était au mois de mai. Ils s'amusent bien, hein, regardez voir. Regardez ces saletés d'armes là. Voilà. Et il n'y a pas que ça, puisque je suis tombée sur ça également au mois de mai. Excusez-moi pour la pub. On va fermer. Voilà. Le ministère britannique de la Défense dévoile un nouveau modèle d'armes à énergie dirigée le 17 mai 2024. Voilà, donc curieusement. Excusez-moi pour les pubs là, c'est vraiment insupportable. Donc curieusement, au mois de mai, écoutez bien, curieusement au mois de mai, ils sont tous en train de s'exciter sur les armes à laser. Voilà. Donc vous lirez le texte si vous voulez, je peux le mettre en dessous de la vidéo. Vous voyez, là, il parle de tuer un drone. Attendez, j'essaie de moi lire. Tuer un drone, kamikaze valant quelques milliers d'euros, nanana. Et apparemment, pour réduire le coût de fonctionnement des systèmes de défense aérienne, eh bien, l'une des solutions pourrait passer par le développement d'armes à énergie dirigée. Écoutez, les amis, c'est très sérieux. Ils nous préparent vraiment quelque chose. Et ça, c'est pour ça que j'avais parlé aussi de rivalité, puisque là, on a vu que c'était en Allemagne. Pardon, en Allemagne. Non, pas en Allemagne, m'a dit. En Angleterre. Et là, eh bien, juste avant, vous aviez la Malaisie avec la coopération de la France. Donc voilà pour la revue du mois de mai. À la fin, j'avais parlé encore de beaucoup de violences,
d'affrontement. Ah oui, attendez, j'avais encore parlé de bombes et d'attentats. Attendez, je vais vous retrouver l'extrait. Ah mais non, mais j'avais pas fini, j'ai encore trouvé d'autres choses. Ah bah alors, attendez. Alors, j'avais parlé des mouvements citoyens, effectivement, bon, on le voit ici, je vais vous faire écouter. Bon, bah ça, c'est les élections, donc oui, il y a eu beaucoup d'appels à voter Philippot, Asselineau. Donc oui, ça c'est juste. Mais juste après, eh bien, j'étais tombée sur des histoires de moustiques. Alors, je vous mets l'extrait. Leurs idées et rallier les votes. Alors, je pense que c'est ça. Alors, par contre, on a bombe attentat. Ça ressort encore, vous voyez, sur le mois de mai. Et sur les insectes, qu'est-ce qu'on a? Exode migration. Ouais, je sais pas ce que c'est là, sur les insectes. Je suis désolée, je ne sais pas. Et là, dispute affrontement. Bon. Bon. Alors, les insectes et les migrants, aucune idée. Il pourrait y avoir, pourquoi pas, des histoires de maladies qui seraient transmises du fait de migration. Alors, c'est peut-être les insectes qui migrent, hein. Eh ben oui, c'est bien les insectes qui migrent, bingo, puisque on a effectivement, enfin, on a eu un gros problème avec les moustiques tigres. Peut-être que vous en avez entendu parler. Vous voyez, là aussi, c'était à la date de fin mai. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Des départements en alerte pourpre. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, je suppose que c'est quand même assez grave. Alors, ils disent qu'en 2023, le moustique tigre était actif sur 71% du territoire français. Et en 2024, il a colonisé 78 départements. Donc, effectivement, ça a augmenté, hein. Donc, voilà. Donc, alors, pourquoi c'est tellement grave? Ben, parce que ces saletés de moustiques, ils transmettent des maladies. Alors, ils appellent des maladies vectorielles. Voilà, la dengue, le Zika, le chihuahua, là, le, je sais pas quoi, le chikungunya. Enfin bref, des trucs qui ont l'air très sympas. Donc oui, attention aux moustiques parce que moi, à mon avis, peut-être que Bill est derrière tout ça. C'est très curieux cette histoire de moustiques et ça transmet vraiment des maladies qui sont pas sympas. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, je vous passe les histoires de jeunes gens qui se disputent pour des questions de religion. De toute façon, ça n'arrête pas du fait du conflit entre Israël et la bande de Gaza. Donc oui, il y a beaucoup de violence à ce sujet. Donc je ne vais pas revenir dessus. Ça a été tout au long du mois. Là, par contre, je vous ai parlé de bébé qui était malade. Alors, on écoute. Alors, des choses médicales concernant les bébés. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est les insectes ou bien si c'est la piqûre, vous voyez. Je ne sais pas, il y a quelque chose là. Peut-être que c'est les deux. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors oui, je vais vous retrouver l'article. Attendez, c'est ici. Voilà. Alors quelque chose qui ne fonctionne pas. Ben ça, c'est en fait, c'est 30 mai. Je suis tombée sur cet article-là. Quelque chose qui ne fonctionne pas, je pense que c'est les soins, la prévention, des choses comme ça. Parce que regardez, je suis tombée sur une recrudescence de cas de coqueluche. Donc en France, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et il rappelait évidemment les histoires de vax. Bon. On ne va pas épiloguer sur le sujet, mais il y a quand même des enfants qui sont morts, hein. Des décès de nourrissons, des formes sévères et des décès de nourrissons. Donc c'est quand même problématique parce que y a quelque chose effectivement qui ne fonctionne pas concernant les petits. Bon, pour finir, j'ai parlé des interventions des forces de l'ordre pour ramener le calme par rapport à des dissensions politiques. Ben, je pense que j'ai ressorti la Nouvelle-Calédonie encore une fois. Hein, parce que les dissensions politiques, ben, c'est simplement les Kanaks qui veulent leur indépendance, ou qui veulent garder quand même une certaine indépendance. Ouais, je pense que c'est ça. Et vous voyez, j'ai ressorti un peu la même chose. On avait les histoires de sincérité, donc ça, c'est vraiment les idéaux. Vous voyez, la colère des indépendantistes. On avait l'arbitrage derrière, le retour au calme, en tout cas, l'essai de retourner à une situation calmée du fait des interventions de forces de l'ordre. Et c'était bien politique. Je pense que j'ai ressorti ça, en fait. Voilà. Bon, je vous ai fait une revue qui a duré longtemps, mais en fait, il y avait plein de choses qui étaient sorties. À mon avis, la chose la plus importante, c'est certainement la Nouvelle-Calédonie. Et puis, certainement aussi le retrait de la piquette Astra. Ça, c'est aussi important. Eh bien, écoutez, on va passer au mois de juin, alors. Donc, à tout de suite. Alors, ben écoutez, on va passer aux prévisions du mois de juin pour la France. Donc, j'essaie de me concentrer. J'ai l'impression que ce mois de juin va être assez compliqué.
Je ne sais pas pourquoi. C'est une intuition. Bon. Le mois de juin sur la France, donc les événements les plus importants, hein, parce qu'il y en a plein d'événements. Et donc, il faut cibler. Alors, on a... C'est bizarre, je ressors souvent les sortes de virus, moi. Une dictature ou une femme politique, puisqu'elle n'y est plus, elle est plus là. Mais 49.3, c'est les histoires de dictature et de virus. Il y a quelque chose par rapport à un virus sur le mois de juin. Donc, méfiance. Ça peut revenir, puisque j'avais dit, moi, que ce serait plus sur 2025. Hein, vous vous souvenez, cette année-là, elle est vraiment importante. Il faut la garder en tête, parce que c'est une année de basculement en 2025. Et au niveau santé. Bon, passons. On y va. Alors, en France, le mois de juin, les événements les plus importants... Voilà. On a quelque chose d'immédiat ou d'en cours. Donc, on va regarder. Pour l'instant, ça ne nous apprend rien. Une protection. L'OTAN. On va en entendre parler. Et ben justement, la dictate ici, puisque c'est le fameux 49.3. Bon, donc, ils vont peut-être nous passer encore des lois en force. Hein. On va regarder. Je me concentre. Hein. Alors... Protection, c'est aide, appui sociaux, ça. Hein. L'OTAN, le 49.3. Imposture. Je ne suis pas qui je prétends être. Mensonge, imposture. Ok, on va aller, je crois qu'on va aller vérifier par là. Un truc qui bouge là. Dissolution. J'arrive pas à lire. Cohabitation, pardon. Cohabitation. Cohabitation avec quelqu'un qui n'est pas ce qu'il prétend être. Ah bah oui, le mois de juin. Il y a le procès Brimich en cours. Bon, cette carte-là est très parlante. Donc, on va entendre parler du procès, certainement. Alors, j'ai quand même dissolution ou cohabitation, mais cohabitation, j'y verrai bien le fait que cette personne cohabite à l'Élysée. Je crois qu'on va continuer sur cette histoire. Je sens que vous êtes comme moi. Vous avez envie de savoir. Enquête judiciaire. Ouais, donc on est bien dans l'histoire de procès, là. Bon, on va entendre parler du procès de Brimich, hein. Mais voyez, je ne suis pas ce que je prétends être. Mais il n'y a que les Français qui ne le savent pas. Hein. Moi, les gens qui n'ont pas encore compris de qui il s'agit, c'est que vous avez un bandeau sur les yeux, c'est pas possible. On dirait mettre une autre carte, parce qu'il ne faut pas trop en tirer non plus, mais Brimich, procès, d'accord? Bon, protection, prison. Alors, protection, prison, il y a quelqu'un qui est en prison... qui est en captivité, je vais bien remettre mon petit jeu, il y a un truc important. Je vous dis que le mois de juin, il va être important. Je sens qu'il va être important. Alors, de qui on nous parle, là? La Chine. Alors, je sais pas ce que ça vient faire, là. Désolée. On va la mettre un peu de côté. Je suis sur la France, là. La division, les divergences, les oppositions. Bon, alors, attention aux résistants. Parce que là, j'ai des gens qui sont dans l'opposition. Opposition, en prison. Des gens qui voudraient protéger ou qui voudraient aider et qui se retrouveraient en prison. Je ne peux pas vous dire davantage. Regardez. Au travail. Alors, le travail. Donc, des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent à l'opposition. Qui peuvent se retrouver en prison, par exemple. Bon. Pour l'instant, je vois pas. Mais attention, effectivement, il va falloir qu'on fasse de plus en plus attention à ce qu'on dit. D'ailleurs, la Chine, c'est aussi la surveillance. Hein. Vous savez, je suis tombée sur un petit reportage. Ah, je vous mettrai en dessous, je vous mettrai un lien. La reconnaissance faciale, elle est censée ne pas être utilisée, notamment pour les JO. Eh bien, elle va l'être quand même. Voilà, je vous dis ça. Hein. Ouais, moi je vous dis, hein, je vous ai dit dans le dernier live qu'on va vers une surveillance. Alors évidemment, comme d'habitude, je me suis fait incendier, mais c'est ce que je vois. Hein. Bon, bref, passons. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'OTAN?
Des contestations par rapport à l'OTAN. Bon, ça, c'est important. Manifestation, grève. Ben, vous savez très bien qu'ils veulent nous embarquer vers la guerre, hein. Vous avez dit le plan belliqueux. Regardez la dernière vidéo sur le couple infernal. Je suis tombée sur les projets de Brimich et de Caligula. Et je vous ai dit que Caligula avait des plans belliqueux. Bon, on les retrouve ici. Mais les gens ne vont pas vouloir être embarqués dans les histoires de NATO. Voilà. On va remettre une carte. Interdiction. Bah, ils vont interdire les contestations, là. Ils vont interdire les manifestations contre NATO, là. C'est pas très bon, hein. Moi, je vois un basculement sur la deuxième partie de l'année. Notamment, ça risque de se dégrader, hein. Et ben voilà, blocage, vous voyez. Obstacle, frein, interdiction. Ouais, les gens vont protester, je pense, contre NATO. Donc protester contre la guerre ou pour la paix, comme vous voulez, mais il va y avoir des blocages et des interdictions. Et ça va être un mois très houleux. Qu'est-ce qu'on a sur la dictate? L'espionnage. Ben voyez, regardez, j'étais en train de vous parler justement de la reconnaissance faciale. Voyez? Bon, alors attention, parce que on arrive vers le mois de juillet. Ben, on arrive au mois de juin, donc oui, on arrive vers le mois de juillet, c'est logique. Et le mois de juillet, c'est les JO. Et les JO, ça va être la surveillance. Il y a quelque chose là. Et il y a aussi, vous voyez, écoute téléphonique, fichage des individus, service secret, espionnage. Faites très attention à vos coms. Je n'arrête pas de rappeler à certains, certaines, de ne pas écrire en toutes lettres, d'être moins explicite dans les commentaires. Si vous voulez que je ferme ma chaîne, continuez comme ça, hein, parce que franchement, parfois, il y en a qui comprennent pas. Donc, les personnes qui expliquent ou qui mettent des noms, je vais les supprimer. Hein, parce que j'ai déjà prévenu, je vous dis qu'on est fiché. Hein. C'est très, très, très important ce que je vous dis. Bon, ben, ministre, bon, d'accord. Bon, alors là, comme on a la dictate et la ministre et l'espionnage, je pense qu'il va y avoir encore des lois en relation avec justement la sursang, je pense. Immunité parlementaire, oui, bon, ok. Bon, une ministre qui a une immunité parlementaire. Bon, pour l'instant, ça ne nous dit rien de plus, ok? D'accord. On va regarder avec les divines actus. Je ne veux pas faire la vidéo trop longue. Éventuellement, je poserai des questions, notamment par rapport aux élections européennes. Voilà. Alors, le divine actus sur le mois de juin. Alors là, évidemment, il se peut que je sorte l'international. Hein. Bon, on va faire une grande coupe. Parce que là, il y en a quand même beaucoup. Hein. Sur le mois de juin, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a une coupure et il y a l'immobilier qui ressort. Alors, aucune idée pourquoi. Tiens, il y a les hologrammes. Bon, ça, c'est la dernière carte. Je ne sais pas pourquoi il y a l'immobilier qui ressort. Mais oui, l'immobilier, de toute façon, est dans le collimateur. Donc, on va regarder. Allez, sur le mois de juin, le divine actu. Bon, ben, il y en a deux qui voulaient sortir. On va les prendre. Alors, éventuellement, en France, ça m'arrangerait. Mais si c'est ailleurs, tant pis, hein. Ben, qu'est-ce que je disais? Les lieux de culte. Bon, l'hiver, on n'y est pas. La sursang, voilà. Vous voyez, c'est vraiment le thème. Hein. Et là, on a quoi? Israël. Ah, bah tiens. Bon, l'hiver, si vous voulez bien, on va regarder, on va retirer. Parce que ça. Ça fait rien. Ça ne fait pas avancer. La pollution. Les chem-chem. Ok. Et on a Israël qui ressort. Je sais que vous avez un reflet. Je m'excuserai. Je ne peux pas l'enlever. Bon. D'accord, lieu de culte Israël. On continue. La pollution. Bon, là, sur 100. Oui, ben ça, de toute façon, c'est de pire en pire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les scandales par rapport à des lieux de culte. On va encore en mettre une autre. La prostitution, je vois pas trop pourquoi. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des histoires de mœurs, par exemple, en relation plutôt avec des gens ecclésiastiques, on va dire? Ouais, peut-être. Là, je ne sais pas. Mais apparemment, il y a quelque chose comme ça. Oui, chantage, corruption. Bon, bah, des personnes apparemment en relation avec le domaine ecclésiastique. Hein, voilà. Chantage, corruption, prostitution. Bon. Bon, ok. Ça, c'est assez clair. Qu'est-ce qu'on a sur la pollution? Les histoires d'agriculture, pardon.
C'est pas le troc, ça. Hein. Non. Quand je vois les carottes, moi, je pense agriculture et pollution. Ouais. Et on nous parlait des vaches. Oui, vous voyez, y a un truc hein, avec l'alimentation, là. Ils vont nous prendre le chou, c'est le cas de le dire. On va rester dans les légumes. Hein. Ils vont nous prendre le chou avec les histoires de pollution par rapport aux trucs agricoles. Oui, non, mais vous savez que. Ouais, ils veulent absolument qu'on passe au régime. Comment dire? Alors, pas au régime, pas au régime des légumes, mais. Un petit peu quand même. Régime insecte, hein. Vous voyez ce genre de choses, quoi. Faillite. Oh là là, ça, c'est pas très bon, par contre. Faillite de l'abondance aussi. Il y a quelque chose au niveau. Au niveau des mesures écologiques, voilà, c'est ça. Les mesures écologiques qui vont être prises en rapport avec l'alimentation. Ça, ils vont commencer à rentrer dans le dur, là. Ici, on a un effet boomerang avec la sursang. Alors, dans quel sens? Les ressources. Des ressources au niveau des réseaux sociaux, certainement. Bon, alors oui, il va falloir faire très attention aux histoires de transe. Sursang, parce que ça peut nous revenir dans la figure. Hein, notamment, regardez ce qui est arrivé à Marion Maréchal, j'en ai parlé juste avant dans la revue du mois de mai, par exemple. Alors, ressources, moi j'y verrais bien des ressources supplémentaires qui vont être mises en route pour la sursang et pour que ce qu'on va dire contre ces gens-là nous revienne dans la figure. Ouais, ça m'étonne pas, je vous ai dit que les histoires de trans, ça allait se développer. Ils vont vouloir vraiment, vraiment continuer leur propa. Mais au bout d'un moment, comme je pense, comme je vous l'ai dit et comme je le pense, ça s'arrêtera. Mais pour l'instant, c'est en plein essor. Bon, alors qu'est-ce qu'on a sur Israël? Alors, des circulations trafic, oui, là, ça ne me dit rien. Ah, y a encore des trucs, hein. C'est marrant, j'ai deux fois les transports et les circulations. Bon, alors il y a peut-être des mouvements en Israël, des départs, des. Je sais pas, il y a un truc qui bouge là, et ça a l'air de bouger. Une joie. Attendez, c'est compliqué. Tirer une carte, un temps de carte. Les JO, oui, bon, ça, d'accord. Bon, bah écoutez, j'en sais pas plus sur Israël. Hein. J'ai une joie. Voilà. Par rapport à Israël, un truc qui est en route. Je peux pas vous dire ce que c'est. Et là, on retrouve les. Bon, là, il reparle d'agriculture, vous voyez. Là, il repart en arrière. Mais j'aurais pas d'informations. Je vais voir avec mon jeu. Si je peux en tirer une davantage. Là, le Divine Actu, il a plus envie de parler. Voilà. Alors, mes cartes, évidemment, elles sont très nombreuses aussi. Mais comme elles sont petites, elles sont plus faciles à prendre en main. On va regarder un peu pourquoi j'ai une joie par rapport à Israël, puisque c'est sorti. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai le balai qui est sorti dans la coupe. Bon, ok. Alors, est-ce qu'ils vont arrêter enfin ce qui se passe là-bas? Enfin, ce qui se passe là-bas par rapport à la bande de Gaza, quoi. Là, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon jeu? Il y a une solution, apparemment. Il y a quelque chose sur Israël, mais qui a l'air d'être positif, puisque j'ai une solution. Ouais, ok. Ouais, il y a une solidarité, là. Par contre, j'ai quand même. Ouais, la criminalité, oui. Ouais, on est toujours dans le thème. Hein. Il y a des gens qui vont réfléchir. Alors, passage de relais. Je pense qu'il va y avoir une solution. Passage de relais. Alors, est-ce que ça voudrait dire que l'autre, là, Benjamin, il va être. Destitué, parce que j'ai passage de relais, il y a un criminel, vous voyez? Ah, c'est possible. Est-ce qu'il pourrait partir, lui? Oui, c'est possible. Alors, je m'avance peut-être beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a un passage de relais. Il est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive, qui soit plus. Plus intelligent. Comment dire? Qui réfléchissent davantage, voilà. Qu'ils soient pas dans l'émotion de la destruction ou la destruction de l'émotion, ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression qu'il y a un passage de relais, que ça va être une solution, vous voyez. Et que cet homme-là, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive et qui pourrait enfin aider
Les gens qui essaient d'éteindre le feu, là, le travail des colibris, c'est les gens qui essaient de sauver tout ce qui peut être sauvé encore là-bas, voyez. Bon, alors, on va dire, événement plutôt positif concernant Israël, avec possibilité de changement, passage de relais, donc changement de personne à la tête d'Israël. Voilà, je m'avance beaucoup, hein, mais bon, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les histoires de sursang, de boomerang, concernant les gens qui sont mi-homme, mi-femme, hein? Bon, bah, c'est la carte, hein. Bon, la violence, vous voyez, le harcèlement, la haine. Ouais, donc faudra vraiment faire très attention à ce qu'on va dire, hein. Et même éviter le mot TRANS, parce que là, ça va nous retomber dans la figure, hein. Ouais. Bon, ok. Donc je ne dirai plus rien sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la pollution de l'agriculture, là? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Accident. Oui, donc il y a un truc qui fonctionne pas là au niveau de l'agriculture. Hein. Ils vont nous faire avaler des couleuvres. Ouais, ben c'est ça en fait. Ils vont nous faire avaler des couleuvres. Hein. Donc ils vont nous dire que l'agriculture, ça pollue. Ben, ça va être ça. Hein. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais ils vont commencer à prendre des mesures là pour réduire, comment dire, l'abondance. Ben, c'est ça en fait. Hein. Ouais, ça va commencer là. Ils vont commencer à nous prendre le chou avec ça. Ouais, ça va être ça. Bon, alors ça va être encore pour notre bien, je pense. Voilà. Alors ça, c'est bien, c'est beaucoup cette carte-là. J'espère qu'elle va vous plaire aussi. C'est les mauvaises idées. Ouais, parce que j'ai une carte avec des bonnes idées. Et là, c'est les idées qui sont bêtes. Voilà. Pour ça, j'ai un mouton. Alors j'aime bien les moutons, ceci dit. Mais là, c'est. En fait, cette carte-là, je voulais faire une bonne idée. Et puis j'ai sorti cette carte-là. Et ma fille m'a dit, ben non, maman, c'est une mauvaise idée, tu vois bien. Regarde, le mur est en train de se fissurer. Et je lui ai dit, ouais, t'as raison. Donc ça, c'est une idée qui est bête. Voilà. Une idée qui est bête. Une connerie, quoi. Donc ils vont nous apporter encore des mauvaises. Des mauvaises. Comment dire? Initiatives. Des mauvaises idées qui vont rien résoudre du tout. Voilà, et qui va en fait finalement tout casser. D'accord? Donc alimentation, changement à venir. Alors, on a les JO. Alors, je sais bien que c'est le mois de juillet, mais on va quand même mettre une carte dessus. Bon, de la bagarre ou des conflits. Ça, c'est pas étonnant. Quelque chose qui se dissout. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une femme là. Quelque chose qui se dissout. Ouais, j'ai encore l'agriculture. Justement, il veut nous en parler, hein. Mais je crois que c'est pas ça. Celle-là, c'est dans ce contexte-là. C'est pas l'agriculture, c'est la récolte. Une femme. Est-ce que c'est Anne Hidalgo, là? Les étrangers. Ah! La récolte. Oui, ben, à mon avis, au niveau des JO, il va y avoir, il y aura pas suffisamment de demandes, hein. Par exemple, pour les hôtels, vous voyez, les gens qui vont réserver pour les JO, puisqu'on est dans le thème des JO, il n'y aura pas la récolte qui va être faite, et je pense que ça va susciter déjà pas mal de conflits ou de controverses, mais en plus, ça va miner l'image, je pense que ça va être Anne Hidalgo qui va être très critiquée, ouais. Ouais, voilà, elle va être déçue. Ah ouais, c'est une nouvelle carte, j'espère qu'elle va vous plaire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont espérer faire le plein de touristes, certainement, hein, ou de réservations, vous voyez, notamment de la part des étrangers. Donc, ils s'attendent à des revenus supplémentaires, hein, au niveau des JO, et ça va être tellement la bagarre et les conflictuels que là, bah, voilà, déception. Les cadeaux ne sont pas ceux qu'on attend, les revenus ne sont pas ce qu'on attend, et ça va certainement influer sur l'image de Anne Hidalgo, je pense que c'est elle. Hein. Ou alors est-ce qu'on a une ministre des Sports? Ah, je sais plus leur nom, mais je pense que c'est Anne Hidalgo, là. Ça va faire pâlir son image. Ça, vous avez l'image d'une femme qui se dissout. Bon, donc elle va être très 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 critiquée, et il y a plein de gens qui vont annuler pour les JO. Vous verrez. Ok, alors là on va regarder pourquoi j'ai scandale dans les lieux de culte. On va quand même regarder. Je sais pas ce que c'est que ça. Ok. Ah, il y a une colère là qui va arriver. Une colère qui va arriver. Ouais. Autostop. Bon, il y a quelque chose qui va être vraiment, qui est vraiment mauvais là. Hein.
Ouais, je sais. Ouais, ça sent le scandale quand même. Il y a un scandale et c'est vrai, les prostitutions, il y a un truc. Il y a un truc et ça va susciter de la colère. Alors, je ne peux pas vous dire plus, hein. Un scandale en relation avec des gens dans le domaine ecclésiastique, ça va vraiment être un gros truc, là. Oui. Est-ce que c'est les histoires de PEDO, par exemple? C'est pas que la prostitution, hein. Ça peut être tout simplement des trafics, vous voyez, genre de choses. De toute façon, ça, on a tout le temps de ce genre de choses. Il y a quelque chose par rapport à de l'argent. Oui, il y a quelque chose par rapport à l'argent. Gaspillage. Je vous dis, ça peut être les ben, je sais pas. Je vois de la corruption, la prostitution, de l'argent jeté par les fenêtres, hein, ici. Et je sais pas pourquoi ça, c'est par rapport au lieu de culte. Ouais. Bon, on verra bien. Voilà, je vais pas faire la vidéo trop longue, hein. Il y a déjà la revue qui prend du temps. Et puis, ben, je vous remercie encore d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais vous montrer Toffi, puisque il est en train de faire sa toilette. Donc, bougez pas. Je vous reprends tout de suite. Oh, mais non, bouge pas! Ah, je voulais vous le montrer, mais là, vous voyez, il suit la caméra. Toffi, tu dis bonjour? Tu dis, oui, oh, je sais, tu es en train de faire ta toilette. Oh, il veut des cols, là, mon cher. Voilà. Alors ça, j'adore quand il se met dans cette position-là. Parce qu'on voit bien, vous voyez, on voit il a les poils blancs sur le ventre. En fait, il est plutôt couleur chocolat, quoi. Toffee, hein, donc caramel, quoi, caramel foncé. Et il adore ce petit truc-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Voilà. Ça, c'est le petit sachet plein de valériane d'herbe à chat. Là, il adore. Ah, t'aimerais. Voilà, c'était l'instant mignon. On vous dit au revoir, Toffee et moi. Et puis à bientôt. Au revoir.